Bonjour tout le monde, c'est Gwendal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la map Provence. Donc, la map qui s'appelle La Provence. C'est une map qui a été créée par Monsieur Troc08, donc qui est un modeur de la Arsenic Team. Donc, les mecs, je les connais. Hein, les mecs de l'Arsenic Team, je les connais. J'ai leur test, tout ça, on se connaît. Et donc, c'est voilà, c'est une très bonne team de modding. Voilà, c'est une très bonne team de modding. Je lag, mais c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais pour en venir à l'Arsenic Modim, c'est une très bonne team. Et Monsieur Troc08 est un très bon modeur. J'avais causé avec lui il y a longtemps, machin. Il dit, ouais, je suis en train de créer une map, machin. Oh, je dis, c'est cool quoi, tu crées une map. Et là, je lui me recontacte il y a pas très longtemps. Il me dit, t'as vu ma map que j'ai sortie? Alors, je dis, non, je n'ai pas vu ta map que t'as sortie. Et donc, du coup, je l'ai téléchargé, machin. Et j'ai téléchargé. Et je dis, putain, déjà elle est lourde. Parce qu'elle fait la map fait environ 530 mégas. Donc, qui est quand même beaucoup. Donc, je dis, ouais, c'est quand même beaucoup comme une map. Je dis, ça doit être une map. Derrière beaucoup de trucs dessus. Un truc. La map est juste énorme. La map, je vais vous la présenter. Et c'est là qu'on va cracher sur la gueule à Giant. Encore une fois, parce qu'on ne le fait pas assez. Donc, on va continuer. Pour commencer, je vais vous présenter la map. Donc, si vous voulez avoir les icônes comme moi, donc c'est-à-dire ceci, ainsi que tous les icônes de ceci, voilà, vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger, voilà, tout simplement. Si vous voulez le lien, je vais vous le mettre en description, mais si vous ne voulez pas, je vous le mets pas. Tout simplement, bon, on va revenir à ça. Donc, la map qui a quand même beaucoup de fruits en plus. Il y a ça, du concombre, du tomato, du peeper, c'est du poivre, je crois, de l'oignon, des... Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a plein de trucs, hein, je vais pas tout vous... Il y a même de la vodka, si vous voulez. De l'olive, du jus d'olive, des flours, donc c'est de la farine de blé, d'orge et de maïs. Il y a même du pain, on peut même faire du pain, on peut même faire de l'ensilage. De l'huile, d'olive, on peut tout faire. On peut tout faire, c'est juste énorme en fait, tout ce qu'on peut faire en multifruit. Je pense que c'est la map multifruit la plus complète qu'il peut y avoir. Ensuite, entrepôt, donc il a rajouté des entrepôts. Voilà, le PDA, donc le PDA qui est simplement un PDA qui est un peu buggé en bas. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir que tous les champs sont descendus en fait. Mais bon, c'est un petit bug qui se règle hyper bien. Voilà. Ensuite, vu, on s'en fout. Voilà, donc vous avez déjà des moutons, des poules de base, des vaches de base. Donc ça, c'est les stats, on s'en fout. Ah, il me manque les... Il y avait des bifs tout à l'heure. Où qu'elles sont rendues? Où qu'elles sont rendues? J'avais des... Normalement, il y a des moutons. Ouais, bon, je sais pas. Un petit bug. Et en fait, il y a tellement de trucs sur cette map, puisque, comme vous l'avez vu, il y a tellement de trucs. Mais le problème, c'est que... Giants Software, donc c'est pas mon ordi qui lag, hein, c'est vraiment la map. Mais en fait, la map, donc faut avoir un énorme PC quand même pour faire tourner ça. Et ma map, le jeu Farming Simulator ne permet pas. Tiens, il y a encore un bug là. Et le jeu Farming Simulator ne permet pas de en fait faire une map aussi grosse. Donc c'est à dire que si on fait une map aussi grosse, le jeu n'accepte pas et le jeu bug, bien sûr. Tiens, un petit bug au dessus là, c'est pas très grave, ça se règle. Donc voilà, on va faire un verger de Provence. Enfin, c'est quand même énorme. Regardez la map vite fait. Regardez la map vite fait. Est-ce qu'on se croirait dans le sud? En plus, on entend les cigales en fond. Sur toute la map. C'est juste énorme. C'est vraiment juste énorme quand même. Hein. Voilà, on se dirait. Là, on est dans le sud. Là, on est dans le sud. Là, on est vraiment dans le sud. Bon, on va prendre le petit bonhomme qui court vite. Oh, un autre bug là. C'est assez bizarre que ça fasse ça. On va faire le tour de la map vite fait, vous présenter quelques spécificités de la map. Alors je lag, oui, mais c'est normal comme je vous l'ai dit. Ah, là c'est, voilà. Donc là, on a tout simplement un bassin de, pas rétention, mais un bassin, où donc piqué, je crois que c'est sur la map de base FS13. Map de base FS13. Mais voilà, enfin c'est très joli, le petit gare là.
Alors, je sais pas comment ça s'appelle ici, mais ça s'appelle la guerre, tout simplement. On va chercher plus loin. Ensuite, on va aller visiter quoi? On va... Donc là, il y a une petite ville. Une petite ville. Alors, je lag un peu en fait avec le player speed aussi, forcément. Ah, ouais. Ça va laguer pas mal, je suis désolé, mais bon. Pff, un panneau de pub, monsieur le président. Des petites blagues, parce que faut savoir que dans cette team, ils sont extrêmement blagueurs. Non, c'est vrai que pour leur avoir parlé, c'est énorme. Hein. La ville. Alors, la ville qui est très, 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 très belle. Alors, c'est le mec qui a fait toute la trollée. Hein. En tout cas, il en a fait une grosse partie hein, de truck. Alors, en tout cas, c'est une team qui fait de la 3D. Le petit marché au KLM. Donc, le petit marché. Le petit marché avec des petits bruits de marché. Simplement, on entend du dialogue, machin. Le truc qu'il faut que je vous montre. Excusez-moi, ceci est un chef-d'œuvre. Ceci est juste un chef-d'œuvre. Je tiens juste à dire en fait ça. C'est juste énorme. On peut pas rentrer dedans, mais je m'en fous. C'est juste énorme. Le mec a fait une cathédrale. Alors je sais pas s'il l'a fait, mais en tout cas, sa map est extrêmement belle. Enfin, c'est juste. C'est juste. Abusé, c'est juste abusé, c'est complètement fou, voilà, c'est irréaliste. Ah, ah tiens, j'ai pas vu ce petit cimetière. Bien fait aussi. Ah, c'est du fou, j'avais pas vu. Ah, là, le petit cimetière, voilà, qui est. Qui est. Pff, oh là là, encore des trucs. C'est. Non, c'est. Ça map. Ça, non, ça map est juste. Pff, laisse tomber, laissez tomber. Il y a aucun mot pour décrire. C'est juste extrêmement un truc de fou. Ah, ça vole, c'est pas normal. Tiens, ça aussi ça vole, c'est pas normal. Ouais, alors il y a encore quelques trucs à régler sur cette map, hein, parce qu'il y a encore quelques petits bugs du truc qui volent ou quoi. Mais on s'en fout, clairement on s'en fout. C'est juste une map énorme. Le mec a fait, ouais, a fait aussi un terrain de foot. Donc là c'est un mini skatepark. Mais donc là voilà, le terrain de foot, c'est ça que je voulais vous montrer. Je l'ai vu en téléchargement celui-là. Hein. Ou un truc similaire à peu près avec le panneau d'affichage. Après, quoique, si pour faire du foot avec des tracteurs, ça pourrait être marrant. Je voulais sortir un mode comme ça, mais enfin, j'ai oublié. J'ai pas pensé, simplement. Voilà, la poste. Alors, j'ai vu un autre truc. J'ai vu un autre truc. J'ai vu un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. On va aller à la ferme pour tout vous dire. On va aller à la ferme parce que c'est là qu'il y a que les trucs les plus mieux. Enfin, mieux. Je dis pas, mais. Non, le train, dommage parce qu'il y a un train qui fonctionne. Hein. Il y a un train qui marche. Hein. Il y a un train qui roule sur les rails. Ici, c'est à raffinerie, je crois. Raffinerie fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est un mode de Maru. Ouais, c'est une raffinerie fonctionnelle. Donc, c'est un mode de Maru qui a sorti une raffinerie. C'est Maru qui a sorti une raffinerie. Des scripts et voilà, on peut utiliser. On pouvait télécharger sur le site de Maru. Alors, je crois qu'elle a ainsi un peu été agrandie, mais j'arrive pas à monter. On peut pas rentrer, ok, d'accord. Bon, un petit trigger, un autre petit trigger. Alors, je sais pas trop comment ça marche, hein. Parce que je connais pas, mais bon, je sais pas, je sais pas du tout comment fonctionne la raffinerie. Alors, si c'est une raffinerie, parce que j'ai vu sucre. Alors, spécialiste du rachat de céréales. C'est ici, je crois. Ouais. Alors, le beau truc de la BP Roskino, au début, je l'avais même pas reconnu. Et là, donc là, on peut faire partir le train. Donc, train repris. Moi. Ah, si, il a reskiné, c'est bien. Non, je sais pas s'il a reskiné, mais. Non, je crois pas qu'il a reskiné. Mais en reskiné, ça aurait fait extrêmement joli en vrai. Bon. Du coup, on va aller voir la ferme. Puis, bon, après, je vous découvre pas tout parce que. Parce que je vous laisserai quand même découvrir la map. Hein. Parce que bon, les petits chemins extrêmement jolis. Joli, joli. Oula, ça bug, il y a un petit bug là. Donc là, on va arriver sur les vaches. Ah, il y a un bug aussi. Il a pas changé le. Ah, les icônes, ok. Il a pas changé les icônes. Il a pas changé les icônes. Pas bien. Du coup, je crois qu'elle est là où la ferme en vrai. Je sais pas du tout où est la ferme en fait. Je crois qu'elle est pas derrière la ferme. Alors les cigales peuvent énerver, je crois, à un moment. Hein. C'est vrai que je trouvais que le bruit des cigales était extrêmement fort. Bon, on est arrivé dans ceci.
Donc, ça, c'est un truc. D'ailleurs, il faut que je fasse un tuto là-dessus. Faut que j'y pense. Sur, en fait, le truc auto-distributeur, là. Alors, je sais plus comment il s'appelle, ce mode. Le mix mélange, là. Voilà. Donc, c'est un mode, en fait, qui permet de mixer les mélanges. Non, je sais plus quoi. C'est, en fait... Attendez, comment qu'on fait pour quitter ça? Voilà. Alors, en fait, c'est un mode qui permet de... On vide là. On vide là-dedans. Et on peut, tout simplement... utiliser ça pour nourrir les bêtes. Ah, là il y a un bug aussi, puisque les vaches peuvent sortir. C'est pas bouché. Tiens, voilà le train, je vous en parlais de tout à l'heure. Le train. Le énorme train, quand même. Hein. Voilà, le train. Très, très, très beau truc. Mais voilà. Et donc, du coup, le mixing, j'en ai pas fini. Donc, du coup, en fait, c'est un truc voilà, qui remplit, machin, qui se mélange et qui après donne à boire au. Oh vache, voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, continuer à me suivre. Et à plus tout le monde!